Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Et je voudrais parler de la part du Seigneur, bien sûr, parler du cœur de Dieu, le cœur de Dieu, notamment le pardon. C'est important, le pardon. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je lisais ce passage tout à l'heure dans Matthieu 5, j'ai crié pratiquement dans mon cœur, j'ai réalisé à quel point Dieu est amour, Dieu est profond, et Dieu est grand. Donc le Seigneur est assis sur la montagne. On ne l'a pas nommé, on n'a pas précisé de quelle montagne il est question ici, mais je pense qu'il est question de la montagne de Olivier. Il va enseigner la parole, la foule va s'approcher de lui. Il va enseigner. Et il arrive au verset 38-39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Je vous assure, c'est difficile pour nous ici. Moi le premier. C'est très difficile, mes amis. C'est-à-dire que tu reçois une gifle. Deuxième gifle, tout ça. Et on te dit, tu présentes l'autre joue. Et encore là, on reçoit même une gifle physique, hein, c'est rare. Hein. Mais des critiques. Des moqueries. Et là, il continue, il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça, c'est aussi difficile à suivre comme règle. Vrai ou faux? Déjà dans nos églises, nous battons pour les postes. Au travail, on se bat également pour les postes. Ah, ce collègue, tout ça, il ne va pas prendre une place, tout ça, ce collègue, tout ça. Non. On est pris à toutes sortes de choses, d'aller voir des bishops pour faire des dons prophétiques, pour garder son poste. Alors que le Seigneur dit qu'il faut céder. Et là, j'ai pas le message de ce soir, on continue. Et il continue, il dit, si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Alors, est-ce que vous avez compris ce passage-là? Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux mille. Qu'est-ce que vous avez compris? Ici, ne regardez plus vos milles, s'il vous plaît. Répondez-moi, honnêtement. Ne regardez pas, tout ça. Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, mon frère. On va passer au micro. Merci. En fait, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que si on nous force à faire, par exemple, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire 10 fois la chose, de ne pas se contenter de la faire 10 fois, mais de faire le double avec lui. C'est vrai, c'est écrit. Hein? 1 000, il faut en faire 2 000. Donc c'est ce que tu dis, effectivement, ce que tu écris. Mais en fait, il y a tout un contexte historique ici. Et il y a des passages bibliques que nous ne pouvons pas bien comprendre si on ne les a pas vécus soi-même, si on ne les a pas expérimentés, si on ne se retrouve pas dans la configuration dans laquelle ces passages ont été écrits. Je m'explique. À cette époque,
Israël était dominé par Rome. Il y avait des péages partout. Et ceux qui voulaient passer d'une ville à une autre, donc les Juifs notamment, il fallait qu'ils payent les impôts. Vous vous rappelez un jour, le Seigneur devait passer quelque part, il y avait quelqu'un qui a voyagé, qui était là et qui a dit à Pierre, votre maître ne paye pas, ne paye-t-il pas l'impôt, là, tout ça, le frais de passage. Hein. Vous voyez, il y avait comme des péages, n'est-ce pas, il fallait payer à chaque fois. Et les Juifs en avaient marre. Il y avait des soldats romains partout. Il y avait carrément un procureur romain qui était là, qui gérait la Judée. Son nom, c'était un préfet romain. Un petit effort. Celui qui va trouver le nom de ce préfet aura ce qu'il veut. Voilà, Pilate. Sa situation est là. Oh ben, c'est ça, quoi. Pilate, vous vous rendez compte? Je prends l'exemple. Les Romains étaient le peuple le plus détesté à l'époque par les Juifs. Imaginez ici chez vous, ici en Guadeloupe, à Martinique, pardon, à Martinique, aux Antilles, on va dire. Vous n'aimez pas, on va dire, oh, quel peuple, on va dire. Hein? Non, on va pas se. Voilà. Vous n'aimez pas les Congolais, on va dire. Je suis Congolais. Raza et Kinshasa. Alors imaginez maintenant, j'arrive, enfin un Congolais arrive, et il va s'associer avec des Haïtiens, et ils vont prendre, n'est-ce pas, le contrôle de toute la Martinique. Mais les Haïtiens que certains n'aiment pas, les Congolais, les Africains que certains n'aiment pas. Alors, imaginez chez vous, vous avez des gens qui sont pour Le Pen, des gens qui sont pour Mélenchon, d'autres qui sont pour Hollande, tout ça, et vous avez des Noirs, très très Noirs, avec un accent très prononcé. Alléluia. Et ils débarquent. Les migrants. Ils sont mis et très grands en même temps. Ils arrivent. Alors, imaginez, on arrive ici, alors, on place des chefs à la tête de chaque ville. D'accord? Il y en a qui ne savent même pas parler, qui ne parlent même pas, n'est-ce pas, le créole. Parce que les Romains, vous voyez, ils parlaient quelle langue, les Romains? Un petit effort. Le latin. Pas l'italien, le latin. Ah oui. Et à cette époque, les Romains parlent le latin et les Juifs parlent quelle langue à votre avis? Non, l'hébreu était la langue du temple parce que les Juifs avaient passé 70 ans à Babylone. Et c'est là qu'ils ont appris le chaldéen, c'est-à-dire l'araméen. Et là-bas, Sabatani, c'est le raméen. Donc, quand ils sont revenus, ils ont oublié l'hébreu. Et l'hébreu était parlé seulement par les prêtres dans le temple. Les enseignements étaient souvent donnés en hébreu, mais le peuple ne comprenait pas l'hébreu, vraiment. Et à l'époque, la langue commerciale qui était utilisée pour le commerce, c'était le grec, comme l'anglais aujourd'hui. Alors, imaginez maintenant les Haïtiens, les Congolais débarquent ici. On va dire les Haïtiens, ils arrivent, ils ne parlent pas le créole, ils ne parlent pas le français, et ils parlent haïtien. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, vous allez à la mairie de Fort-de-France, vous avez un maire haïtien qui est là. Secrétaire haïtien. Et les portiers, vous avez les Martiniquais qui travaillent pour les Haïtiens. Et à l'entrée de chaque ville, mais vous avez des péages gérés par qui? Par les collabos. Les collabos, c'est-à-dire des Martiniquais qui travaillent avec les occupants, les étrangers, qui travaillent pour eux comme esclaves, limite.
comme Zachée, comme Matthieu, qui te repayait. Vous vous rappelez que je l'ai appelé. Ah, voilà. D'accord? Alors imaginez un peu le contexte un peu historique ici. Et maintenant, vous avez les policiers et militaires haïtiens. Alors, à cette époque, lorsque l'armée romaine gagnait une bataille, remportait une bataille, lorsque les Romains arrivaient à conquérir une ville, en fait, ils avaient l'autorisation de Rome, de César, d'obliger les habitants de cette ville de porter leur sac pour une distance de 1 mille, c'est-à-dire 1448 mètres. 1 km et demi à peu près. C'était des gros sacs de guerre, de militaires. Et maintenant, Jésus, on se met dans le contexte historique, ce peuple brimé par les étrangers, contrôlé par les étrangers, les Romains notamment, comme la Martinique par les Haïtiens, les Africains, tout ça. Et maintenant, vous, en tant que Martinique, dans votre livre prophétique, donc les Écritures aujourd'hui, on annonçait qu'un Martiniquais allait venir pour libérer la Martinique, libérer, chasser les étrangers, établir son royaume sur la terre pendant 1000 ans. Et tout le monde attendait sa naissance, son avènement. Alors, dans l'une des villes de la Martinique, les Romains avaient leur, n'est-ce pas, poulain du nom de Hérode, qu'il gérait un peu la Galilée. Il avait établi le roi des Galiléens juste parce que c'était un monsieur qui était, qui était pour les Romains, tout ça. Imaginez maintenant, le Messie va naître effectivement. Le Martiniquais avec son bébé. Et les gens arrivent de loin et disent au Martiniquais, au prêtre Martiniquais et à Hérode, où est le lieu où est la tombe où est né le roi de la Martinique? Oh, le roi, mais c'est quoi ça? Donc la défense a lu. Ah non, 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 trouble. Imaginez maintenant, vous sortez dehors en tant que Martinique, vous voyez un soldat haïtien qui appelle la Martinique. Hé, toi, viens ici. Prends mon sac. Tu vas dire, porte. Tu vas faire 1480 mètres, en 1 km de pluie. Mais. Tu prends ton sac et le voyage de Martinique, il est obligé parce que sinon il va tuer. Il va tuer. Donc il porte. Et voilà le Messie Martinique qui vient, qui grandit. Alors je prends pas le ressort au baptême. Il commence à exercer son ministère. Qu'est-ce qu'il sort miracle? Il y avait parmi ses apôtres un homme qu'on appelait Simon le Zélote. Les Zélotes, c'était des personnes très zélées, c'est-à-dire des nationalistes. C'est-à-dire des gens qui travaillaient, on va dire, à l'époque, ils travaillaient pour le Pen, par exemple. Qui voulaient libérer la nation par la force, par la guerre avec les armes. Imaginez maintenant, les amis, Jésus vient et il dit à ce zélote, Martinique, Simon, 1000 mètres, si un soldat haïtien te dit de faire 1000, toi, ne fais pas avec fait le double. Ah, non. Vrai ou faux? Comment toi qui es censé nous libérer de ces étrangers, tu me demandes maintenant, n'est-ce pas, de faire le double de ce qui me pose comme fardeau, comme ton fait. Ah non, ah non. Frère, bénissons Dieu que nous ne soyons pas nés à cette époque et parce que je suis convaincu que avec mon caractère, on ne serait pas parti. Parce que vous savez pourquoi ça m'a touché. Le pays de mon père, c'est un pays, le pays le plus riche, et géré par une armée étrangère actuellement. Vous voyez? Et il massacre mon peuple. Plus de 10 millions de morts depuis 1998. Des femmes violées avec des bouts de bois. Des enfants de 3 ans violés. C'est un carnage. Ce que les Juifs ont vécu, c'est rien par rapport à ce que mon peuple vit depuis 98, 96. Je porte le fardeau comme Néhémie dans mon cœur,
depuis quelques mois. Donc j'appelle certaines autorités qui sont à l'exil, tout ça, à l'étranger, tout ça, à l'exil, pour avoir des nouvelles, tout ça. Régulièrement, j'ai des nouvelles même des certaines autorités qui sont en prison, des généraux colonels, tout ça. Ouais, ils donnent des messages pour intercéder pour eux. Et c'est terrible de voir ce peuple qui souffre. Et de voir l'ONU, tout ça qui passe, qui ferme les yeux sur ces exactions, sur ces tueries, ces meurtres organisés. C'est horrible. C'est révoltant. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Ce que nos gouvernements occidentaux font, ce que les lobbies occidentaux font, ce que les gens font, c'est un massacre. On m'a envoyé des images encore hier, c'est horrible. C'est juste le passe. Alors imaginez maintenant, vous voyez la configuration de laquelle nous sommes, vous voyez, imaginez maintenant, et le Seigneur te dit, tu vois, je t'occupe pas, ces gens qui sont venus vous occuper, tout ça, vous écraser. Ils vous demandent de faire, de poser un acte, ils vous demandent de porter leur sac pendant un kilomètre, et bien vous allez faire deux kilomètres. Vous voyez le message de Christ? On n'a pas bien compris le message évangélique. C'est-à-dire pour nous qui n'avons jamais, ceux qui n'ont jamais connu ça, ceux qui n'ont jamais été dominés par les étrangers, par l'armée étrangère, qui n'ont jamais été violés, quand tu lis ce passage-là, pour eux, ils vont passer dessus, ils vont dire, bon, il faut pardonner, mais il faut être confronté à certaines réalités. Pour que cette parole prenne toute sa signification, sa dimension spirituelle. Et là, le Seigneur dit, tu vois ce que tu vis en ton pays d'origine, tu vois ce que les gens vivent. Et il ne s'est pas arrêté là, le Seigneur. Il dit, si un soldat vient et prend ton manteau, et c'est exactement ce que certains soldats romains faisaient. Ils arrivent dans un pays conquis, et bien ils prenaient tout ce qui était précieux, tout ce qui était beau. Ils prenaient à eux. Imaginez un Haïtien qui vient, qui dit, un Congolais, un étranger, quelqu'un qui aujourd'hui contrôle ton pays, il vient, qui va avec ton manteau à tout le monde. Le Seigneur dit, il ne faut pas seulement donner ton manteau, il faut qu'on fasse la chute, il faut qu'on le donne. Et nous, peuple de cette génération, quand notre poste de travail est menacé, on est prêt à tuer. On est prêt à tout. Et nous sommes tous les dimanches dans les assemblées. Nous sommes tous les dimanches, tous les jours, en train de lire la Bible. Waouh Seigneur! Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté au fardeau qu'il fallait porter. Il ne s'est pas arrêté au manteau des tuniques qu'il fallait céder. Il dit en plus, il dit, si on te frappe sur la joue gauche, tu tords l'autre joue. J'entends des chrétiens qui viennent le voir pour dire, moi j'ai divorcé avec mon mari parce qu'on a divorcé tous les deux, parce que nos caractères ne sont pas compatibles. Ils ne vont pas au ciel en fait. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils voient en fait. J'entends les chrétiens qui disent, je ne peux pas pardonner. Je dis, mais c'est normal, parce que c'est dans mon cœur. Je dis, mais parfois Dieu me dit, dis-le, ces gens sont très convertis. Je suis désolé de le dire. Il n'y a pas. Vous savez, mesdames. Ah, Dieu m'a parlé. Je vous assure. Je dénonce tellement les exactions dans mon pays d'origine que je ne peux plus y aller depuis 4 ans. Ma tête est rejetée. Il y a des choses que je voulais vous parler ici. La dernière fois, je suis allé en 2012. Ils se sont associés et les faux pasteurs et les autorités, toutes les autorités pour me tuer. Et ils n'ont pas compris comment je vais pouvoir réussir à sortir du pays. Parce qu'on ne peut pas rester bouche fermée. On ne peut pas rester indifférent, silencieux, face à tout ce qui se passe. Quand on aime Dieu, quand on aime la justice, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Dieu dit qu'il faut pardonner. Ce message est basé sur le cœur de Dieu, le cœur du Père, au Seigneur.
Vous savez, la plupart de nos messages aujourd'hui sont basés sur les émotions. Vous voyez, on peut pleurer, mais après, il n'y a pas de changement. On peut tomber sur l'onction, mais après, il n'y a pas de changement. Mais Dieu, c'est le cœur que Dieu veut d'abord changer. C'est le cœur, pourquoi le cœur? Parce que quand on aime, c'est au niveau du cœur. Quand on pleure, c'est au niveau du cœur. Quand on est joyeux, c'est au niveau du cœur. Le cœur joue un rôle essentiel. Vous avez vu comment le Seigneur a protégé même notre cœur physique? Il y a des barres de fer autour. Je veux dire, les, voilà, vous comprenez? Les côtes. Vous protégez cet organe. Parce que le cœur est une pompe qui prend le sang et qui le redistribue, qui prend et qui donne à tous les organes. Voilà. En fait, le sang, c'est la vie. Donc, la vie vient du cœur. La vie sert le cœur. L'Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs. Les fruits de l'Esprit. Vous savez, les fruits de l'Esprit, ça pousse tout. Ça pousse dans le cœur. Ça vient du cœur. Ça pousse où? Dans le cœur. Et c'est là que ça coince. Jésus a dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il a commencé par le cœur. Il n'a pas dit, hein, tu vas l'aimer avec tes pieds. Le cœur d'abord, le cœur. Mais si vous regardez bien les problèmes que nous avons sur terre, c'est à cause du cœur. Le cœur est mauvais. Mauvais. Méchant. Ce que nous sommes extérieurement, c'est, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est le reflet de l'état de notre cœur. Un jour, j'étais en Afrique en mission. J'ai vu l'état des certaines routes. J'ai vu comment les gens conduisaient. Vous savez, dit, tout ça, c'est la manifestation extérieure de leur être intérieur. Donc, la manière dont les gens s'habillent, la manière dont les gens parlent, tout ce que nous sommes extérieurement, notre manière de nous coiffer, c'est le cœur. C'est le reflet. Parce qu'on dit qu'on reconnaît l'arbre, c'est fruit, les fruits, c'est quoi? C'est tout ce qui frappe le regard, tout ce qui attire, tout ce qui. Les fruits. Le cœur. On ferme le cœur à l'évangile. On ferme le cœur au pardon. On dit non, c'est pas. Je ne peux pas. Et effectivement, c'est impossible à un homme de pardonner s'il n'a pas au préalable reçu le pardon de Dieu. C'est pour cela. Il est dit dans la prière de notre Père. Voici donc comment vous avez prié notre Père aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ton Père quotidien. Pardonne nos offenses. Et littéralement, remets nos dettes. Parce qu'une offense, c'est une dette que l'on a. Quand tu pêches, tu t'endettes vis-à-vis du Seigneur. Et cette dette-là, tu ne peux pas la rembourser. C'est impossible parce qu'il faut du sang pur. Et notre sang est contaminé. Donc, vous savez, nous sommes des êtres relationnels, il ne faut pas l'oublier. Nous avons plusieurs types de relations. Nous avons des relations entre père et fille, père, parent et enfant. Déjà, vous savez comment nous avons des problèmes parfois avec nos parents. Les parents ont le problème des enfants. On était tout à l'heure, on était dans un hôpital où il y a des personnes âgées. Le frère qui était avec moi parlait avec un monsieur d'un certain âge, un créole, et il lui demandait si tu as des enfants, tout ça. Le monsieur disait oui. Est-ce qu'il vient te voir? Il dit non. Vous avez une relation de cœur. C'est terrible. On fait des enfants, on les nourrit, on les protège, ils deviennent grands, ils tombent malades parce qu'on devient impuissant, on devient dépendant physiquement, n'est-ce pas? Et là, on est enfermé, abandonné. Relationnel, le cœur. Oh. Nous sommes allés voir une femme dans un âge tout à l'heure, chez elle, 83 ans. Et elle vit seule. Je pose la question, mais où sont les enfants? Les enfants sont ici et là. Il y en a qui n'ont pas le temps. Elle a 18 enfants, petits enfants. 18 petits enfants, tout ça. Et la personne, les petits enfants, je demande ça à la personne, parce qu'il y a deux ou trois qui appellent, et les autres, le cœur. Vous savez, comment nous sommes, nous les humains, préoccupés, hein, occupés par des choses futiles, des choses qui vont rester. Et je leur donne le témoignage de ce qui se passe en Afrique. Globalement, en Afrique, les personnes âgées vivent avec nous.
jusqu'à leur mort, on reste avec eux. Et c'est grave. Comment un enfant porté par une femme pendant 9 mois, quand cet enfant était malade, la maman était là. Pour les parents qui sont dignes de ce nom-là. Papa, maman était là. Et l'enfant grandit, commence à avoir de l'argent. Et il dit, oh, je parle de toi, pourquoi? Ok, chacun sa vie, c'est vrai. Mais les parents, la parole dit quoi? Enfant, les enfants doivent rendre leurs parents qui sont dans ce. Ils n'ont plus le temps. Pourquoi? Parce que notre génération, c'est pas le temps. Les personnes âgées, on les méprise. Pourtant, ce sont des personnes qui peuvent apporter beaucoup aux jeunes. Pourquoi la nouvelle génération? Maintenant, les jeunes générations, la nouvelle génération préfère aller sur le net, tout ça, aller se former, n'est-ce pas, sur le net, par la télévision, avec les séries à l'américaine, tout ça. Mais les personnes âgées, je n'ai pas trop le temps pour elles. Vous voyez? Donc, tout à l'heure, quelqu'un me parlait d'un homme qui a, ici à Martinique, qui a violé ses 3 filles. Vous voyez? Donc, relation. Relation entre frères et sœurs de sang biologique. Vous avez vu les problèmes que l'on a à cause des problèmes que nous rencontrons sur terre, problèmes d'héritage, tout ça, les gens se battent, deviennent ennemis alors qu'ils sont frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les parents ont laissé un bout de terre et ils sont prêts à s'entretuer. Allez voir la sorcellerie pour que ce soit en métropole. Il y a des cas de frères français qui sont venus me voir et qui me disaient non, nos parents sont morts, ils ont laissé beaucoup d'héritage, mais entre frères, là c'est la guerre, il y a tel frère qui est allé chercher la sorcellerie pour tuer les autres, tout ça. Voilà, relation. On se divise pourquoi pour du matériel, des choses qui vont rester. Relation entre l'homme et la femme, vous avez vu? Ah oui, vous avez deux êtres qui s'aiment pas possible, ils ont eu un coup de foudre. Ça va durer combien de temps? Ça va durer 10 ans? Parfois un an, 6 mois, ça dépend, un mois. La femme tombe enceinte et l'homme dit non, je t'aime bien, mais bon, quand même. Et l'homme va envoyer la femme à avorter, mais cette femme va avorter. Mais l'homme en question, est-ce qu'il se pose la question de savoir si cette femme va... Comment ça va se passer après son avortement? Sur le plan moral, psychologique. Cette femme, ça va-t-elle pas traumatisée? C'est pas un problème, parce que cet homme n'aime cette femme que pour le sexe. Mais le reste, c'est pas son problème. La santé de la femme, son moral, tout ça c'était pas son problème. Bah voilà, l'homme. Comment des personnes qui s'aimaient comme pas possible, l'homme et pas, et parce qu'ils ont eu un peu de bien, parce qu'ils ont eu amassé un jour, ben chacun commence à chercher à faire son chemin et ils vont se retrouver devant un juge, un païen, hein, pour ceux qui sont chrétiens. Et commencent à se battre devant les étrangers comme s'ils étaient eux étrangers. Alors que les enfants au milieu, et les enfants sont déchirés, ils sont obligés de faire le choix. Nos petits bouts de chou sont obligés de choisir entre l'homme et entre papa et maman. On les tue, ces enfants-là. Voilà notre génération. Voilà notre monde. Un monde de barbares. Des sauvages. Même la nature, c'est les animaux. Je regarde encore un reportage. Je regardais, n'est-ce pas, un documentaire, tout ça là. Je voyais ce couple d'aigles qui allait tous les deux chercher à manger pour les aigons, pour leurs enfants, tout ça. Qui se préparaient pour passer l'hiver, tout ça, qui amassaient pour les enfants. Et je me demande, mais les hommes sont devenus quoi? Ils sont devenus pires que les animaux. Donc, et je vous assure, pourquoi on l'a en faire? Pourquoi? Parce que, à cause des blessures, à cause de ce manque de pardon, parce qu'il y a tellement de problèmes. Donc, vous voyez les relations entre amis d'enfance, relations entre chrétiens, entre pasteurs et frères et sœurs, relations entre cousins et cousines, relations entre peuples et dirigeants politiques, hommes politiques, tout ça, vous avez vu? Mais nous avons tellement de conflits. Relations entre noirs, blancs, entre, n'est-ce pas, jeunes et rouges, relations entre clair de peau et peau foncée, relation entre. C'est impressionnant les problèmes relationnels que nous avons aujourd'hui. Alors, Freud, à son époque, pour aider un peu les hommes, il pensait qu'avec la psychanalyse, il pouvait aider. Personne ne peut aider personne. Personne ne peut aider ton âme malade. Personne, ce n'est Dieu seul. Voilà, ils ont mis en place la psychanalyse, ils ont mis en place la psychologie, la psychiatrie, tout ça. Mais ça n'aide personne, frère de cette relation. Oh!
employé et employeur, relation entre collègues, c'est compliqué, je vous assure, compliqué. Relation entre automobilistes, tout ça, relation entre. Il y a tellement de conflits, conflits, guerre ici, famille là-bas, tel peuple va affronter tel autre peuple, tout ça. C'est la guerre, des troubles, des tensions. Relation difficile entre, bien sûr, témoin de Jéhovah, évangélique, adventiste, tout ça. Mais c'est. On est tellement divisé. Et pour aller au ciel, il faut avoir le cœur de Dieu. Pour aller au ciel, il faut avoir le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est quoi? Il était sur la croix, Jésus. Exécuté par qui? Il était, rappelez-vous bien, Jésus, homme, juif. Donc, on va dire, l'exemple que j'avais tout à l'heure, Marcinique, par exemple. Crucifié par qui? C'est des collabos, quelques prêtres, collabos, des Romains. Et aussi des Romains. Donc, Haïtiens, Africains, par quoi les âmes sur le coup. Imaginez maintenant que Jésus, juif, soit quoi, en train de perdre tout son sang. Il avait du mal à respirer. Il avait courant des piles sur la tête. Et cette piles était enfoncée dans son crâne. Il avait du crachat sur le visage, mélangé avec du sang. Il avait reçu le coup, et les 52 nous dit que son visage était défiguré. Il avait reçu plusieurs coups. Oh, il saignait, il était blessé, méprisé, homme de douleur, sachant que c'est la maladie. Imaginez le Seigneur de l'Église sur la croix, en train d'agoniser tout ça. Imaginez, frères et sœurs. Et il avait du mal à respirer sur la croix. Il cherchait sa respiration. Parce qu'il se vidait de son sang. Et la première parole qui sort, Père, pardonne-le. C'est-à-dire, nous n'avions même pas demandé pardon. Nous n'étions même pas formés. Qui a libéré le pardon? Quoi? Seigneur, sauve-nous. Je disais, il est impossible sur le plan humain de pardonner. Donc, pour pardonner, il faut d'abord expérimenter le pardon de Dieu. Imaginez quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il ne voit pas ses fautes, ses faiblesses. Il ne voit pas la saleté qu'il a sur lui, la peau qu'il a sur lui. Il est dans les ténèbres. Imaginez que la lumière arrive, éclaire cette pièce, donc éclaire cette personne, et la personne reçoit la révélation sur son état. Donc cette lumière qui arrive, on va dire cette lumière est comparable à un examen, un diagnostic que l'on a fait. Et cet examen va révéler son état de santé. C'est-à-dire la personne apprend qu'elle est atteinte du VIH. Et du coup, elle se sent condamnée parce qu'il n'y a pas la solution. Pas de traitement. Waouh! Et Dieu vient et dit à la personne, tu vois ton état, tu ne peux pas aller au ciel, tu es condamné, tes péchés te condamnent. Mais moi, Dieu, je te propose de te sauver. Voilà mon sang, je te lave, je te nettoie. Imagine cette personne qui s'est sentue, qui était condamnée, qui pleurait parce que la lumière était venue, la lumière a révélé son état. La personne s'est dit, mais je suis atteinte du VIH, je ne le savais pas. Je ne savais pas que les convoités étaient empêchés. Je ne savais pas que le lesbianisme était empêché. Je ne savais pas que le monstre était empêché. Je ne savais pas que mentir était empêché. Mais ça, c'est ma vie. Mais comment faire, Seigneur, je bats là. Je ne peux pas atteindre tes exigences. Je ne peux pas répondre aux exigences de la justice divine. Parce que elles sont au-dessus de ma femme, ma portée. Seigneur, que faire? Il dit, je te sauve. Une personne sauvée comme ça, une personne qui va se dire, oula,
C'est vous m'aidez. Seul je pourrais sortir de là. Alors, à mon tour, eh bien, je veux partager ce que j'ai reçu. Je veux partager le pardon. On peut l'insulter, sa chair ou un amour. C'est mal. Mais à un moment donné, la personne va dire, on peut parler de pardon. On avance. Et c'est quoi que le Seigneur a dit? Il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh! Il a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est difficile. Une femme trompée par son mari, une femme battue, une femme trompée par ton mari, a pris ta copine, ton mari est en train de ta soeur, et Dieu dit, tu dois pardonner. Oh Seigneur mon Dieu! Qui a du mal à parler? Qui pense que son cœur est dur? Qui t'a violé, qui t'a touché. Ton voisin qui t'a fait du mal, je ne sais pas ce que tu vis, mais tu peux pardonner et tu peux aussi recevoir le pardon de Dieu si tu as fait du mal aux autres. Nos cœurs sont souvent abîmés. Nous sommes parfois aigris parce que nos cœurs sont chargés, blessés, nous sommes amers. Et l'amertume peut provoquer toutes sortes de maladies physiques. Hein? Maux d'estomac, cancer. Voilà. Problème de tension. Et il faut pardonner. On va prier ce soir. Prie ton Dieu dans ton cœur. Prie le Seigneur. Tu vas bénir ceux qui t'ont maudit. Pourquoi? Parce que si tu libères le pardon, en libérant le pardon, c'est toi qui te libères en fait. Forcément. Parce que l'ennemi se sert souvent de l'amertume. Il se sert de la colère, des blessures du passé, de nos blessures, pour pouvoir nous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant. C'est comme quelqu'un qui conduit un véhicule qui est sur l'autoroute et qui regarde constamment dans le rétroviseur. Cette personne ne pourra pas atteindre ses objectifs. Ne laisse pas ton passé détruire ton présent et ton futur. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te guérir. Pendant que tu pries le Seigneur avec sincérité, le Seigneur guérit ton cœur. Le Seigneur nettoie ton cœur. Le Seigneur chasse ce démon qui vient hanter ta vie, qui vient hanter tes nuits. C'est cet esprit de succube, incube, de mari, femme de nuit. Cet esprit de colère. Cet esprit de colère qui te ronge, la colère qui a du mal à te, n'est-ce pas, contrôler ta colère là. Il y a quelqu'un ici là, le Seigneur est en train de te libérer définitivement de la colère au nom de Jésus de Nazareth. Cet esprit de mort également qui veut s'emparer de toi, qui veut s'accaparer de ta vie, qui veut détruire ton foyer, qui veut détruire ta vie, cet esprit de mort qui veut te libérer. Sors! Et les démons sortent ici. Amène-moi cette personne. Ça va sortir. Définitivement aujourd'hui. Sortez, sortez. Que chacun prie, que le Seigneur, les démons nous offrent. Et alors je dis sortez, c'est un ordre. Allez, tous, sortez. Sortez, au nom de Jésus. Sortez.
au nom de Jésus. Sors. Bon, bon, voilà. Allez, sors au nom de Jésus. Sors là. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors au nom de Jésus. Tu sors de là. Allez, tu sors. Il y en a qui vont vomir leurs démons ici, là. Le lien de famille, le lien de malédiction que vous avez là, tout ça, le Seigneur les brise ce soir. Là. Il les brise ce soir. Il la brise des choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sortez. Ça va sortir par la tour, là. Ça va sortir au nom de Jésus. Là. Ça va sortir. Je t'aime. Dieu guérit ton cœur. Dieu guérit les cœurs blessés. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Seigneur, merci. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci pour ce jeune homme que tu délivres, mon Dieu, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Je sens les blessures que Dieu guérit. Voilà, ça fait un esprit de sirène là, qui est là. Tu vas quitter cette jeune fille. Là. Tu m'entends? Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un de ses ancêtres qui a fait alliance avec l'ennemi. Et toute la famille était comme consacrée à son. Toute la famille est consacrée à Satan, aux puissances des eaux. Le Seigneur te libère, ma soeur. Guéris ce soir, te libère au nom de Jésus. Avec du soir, tu vas te rester. Du soir. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Merci Père. Voici ta guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Avec la gloire à Dieu. Oh, il est chaud. Et merci. La mort s'en aille maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Ça va? T'as mal au cou? Et qui a tout ça là-bas? Qui a tout ça ici? Ouais, tu peux venir. Je vais te faire pour toi. Le Seigneur t'aime beaucoup. Voilà. Ça va. Seigneur bénis ma soeur. Les personnes qui veulent, qui n'arrivent pas à se marier, là, venez. On va prier pour vous. Il y a des choses que le Seigneur veut briser, là, tout ça, là, par rapport au célibat. Venez. Tout ça, là, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va briser des liens. Les choses par rapport au célibat, le Seigneur va briser cette malédiction. C'est pas que tout le monde est concerné par ces liens, mais en tout cas, il y a des gens. Il y a des choses qui veulent vous empêcher de vous marier, là, au nom de Jésus-Christ, le maintenant, le Seigneur va changer maintenant leur caractère, va transformer leur vie. Alléluia, le Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces personnes, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton onction sur leur vie. Père précieux, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. La parole nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, bénis leur projet, bénis les Seigneurs mon Dieu, Père, le mariage. Voilà, voilà ta bénédiction. Voilà ta grâce. Jésus. Il y a des choses qui sortent, là, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Ici, ta bénédiction, il y a des choses qui sortent, là. Au nom de Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Oh, une bénédiction, là. Merci, Seigneur, mon Dieu. Ah, Seigneur, merci. Merci, Père. Merci. Il y a des choses, là, au nom de Jésus de Nazareth. Si je viens pour vous, vous pouvez rentrer. Je vous prie, Nazareth, merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père, grâce. Et là, merci. Et là, sort. Allez, chaud. Chou, alors.
Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ma soeur. Chaîne, là, que Dieu brise. Au nom de Jésus de Nazareth. Une chaîne familiale, part. Qu'est-ce que le nom de Jésus de Nazareth? Allez, tu sors là. Tu remontes, tu sors. Allez, sors. Allez, sors. Lâche. Tu vas lâcher ça, ce mariage-là, tu vas lâcher sa vie là, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Ça sort là, comme une espèce de corps qui est là. Au nom de Yeshua et de Seigneur, que ma soeur soit bénie. Mon. Au nom de Yeshua et de gloire à Dieu, Seigneur, merci. Alléluia, magnifique Seigneur. Une telle onction sur elle. Alléluia. Oh, là aussi, là, l'onction là. Oh, là. Comme une espèce de chaîne que le Seigneur brise aussi dans lui, Yeshua et de Seigneur. Remplis de ta joie, ta force. Alléluia, gloire à Dieu. Par rapport à ton Père, le Seigneur au contrôle, cette vie est au contrôle. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Tu es marié? Tu n'es pas marié? Ah oui. Merci. Wow. Merci Seigneur mon Dieu. Merci de ton enfant sur elle. Alléluia. Oh mon Dieu, merci. Seigneur, merci. Chose à suivre. C'est bon? Appuyez pour elle. Seigneur, merci pour ma soeur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, bénis ma soeur. Oh, ma chère. Alléluia. Ma bénis là. Mon Dieu, mon roi, Père, au nom de Yeshua, mon Seigneur. Ah bon, toi aussi, bah oui, c'est vrai. Ah bah. Toi aussi. Ah ben, bah, alors. Toi aussi. Oh, ben, gloire à Dieu, ben, dis donc. Amen. Vous voulez que Dieu vous donne des hommes à prédicateurs, non? Oh, tu dis non? Eh ben, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut qu'il y ait un homme de Dieu. Ah, bah. Oh, il est venu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Toi aussi? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est bon. Amen. Waouh. Ça va? Quelqu'un a parfois des plaques dans son corps, là. Des plaques sur son corps, là. Le Seigneur veut guérir. Ça va, je donne un vrai, une forme de. Voilà, de peau. Le Seigneur veut complètement guérir. Ça te gratte parfois, là. Ça te gratte, là. Voilà, tu viens, on acclame le Seigneur pour la sœur, là-bas aussi. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Seigneur, brise cette maladie au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour la guérison de Dieu, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci pour ma sœur, que ce soit complètement guéri au nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur. C'est le l'avant-dernier. L'avant-dernier. Ça va, comment tu t'appelles? Hein? Jude. Alors c'est réglé, t'es guéri. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est constamment constipée. Constamment constipée, ça va même. Le Seigneur veut guérir, tu peux aussi venir là. Au nom de Jésus-Christ, arrête la constipation là. Le Seigneur veut briser cette maladie. Ah ben, t'as beaucoup de choses dans la vie. C'est constipation. Ah bon? D'accord, c'est bon, c'est réglé déjà. Waouh. Oh, Dieu, gloire à Dieu, Seigneur, merci ma soeur. Que tu sois guéri par ton nom de Jésus-Christ. Merci ma soeur, bonjour, Père, au nom de Jésus, et Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Ta grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quelqu'un a un problème de circulation sanguine, tout ça, mais il y a beaucoup de douleurs aussi musculaires, tout ça, que le Seigneur veut guérir complètement, donc j'espère que ça arrête. Le Seigneur va enlever cette maladie, la souffrance, là. Donc je vous prie, dans arrête. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Il est là, Seigneur, merci, il est là, l'onction, là. Guérison, là, où il fait l'onction, là. Waouh, c'est beau. Waouh, Seigneur, merci. Merci pour ton onction. Ce soir, Seigneur, au nom de Yeshua. Alors je bénis Dieu, quand je suis arrivé, j'ai pris un petit appartement là. Dès la première nuit, ici à Martinique,
J'ai entendu quelqu'un ronfler. L'ennemi est vraiment abusé. Ça ronfle. Je regarde le fil, je tourne le fil comme ça. Seigneur, c'est pas possible. Une personne est venue, dit simplement que Jésus est Seigneur, déjà ça c'est clair, que tu as payé. Hein? Donc, voilà, tu as des droits. Voilà. Voilà, donc, je dis, j'ai payé ici, je n'ai pas frotté, je n'ai pas. Donc, sortez. Si vous voulez revenir, c'est après. En tout cas, pendant que je suis là, hein, dehors. Il est venu en frère, il est venu à la maison, il me dit, là, mon prière, là, il a vu un an, quelque part, là, dans un coin, là, il est bien, tu veux venir. Ça rassure, hein, Dieu nous aide, Dieu nous aide. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, fort ah! Dieu, non, j'arrête, c'est que tout, un diabète sévère, un diabète, tout ça, là. On t'a parlé que des organes peuvent être affectés, là, tout ça, là. Et une guérison, là, c'est oh, non, il est chaud. Seigneur, merci. Oh, une onction, là, le Seigneur va sauver ta femme, le Seigneur de Dieu va sauver ta femme, la sœur. Donc Jésus, on arrête, Seigneur, merci. Ça va? Tu es baptisé? Oui. Non? Oui, tu es baptisé par immersion? Oui. Ouais, par la Dieu. Alléluia. Tu veux faire quoi pour le Seigneur? Dis-moi. Je veux prier pour que tu chantes tout le temps pour le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, le Seigneur va lui donner une voix terrible, elle va beaucoup chanter. Tu apprends à jouer un instrument, Dieu va servir de toi pour chanter, les jeunes vont être touchés, les gens seront guéris, délivrés. Au nom de Yeshua, le Seigneur guérit ton cœur, guérit ta vie, le Seigneur purifie ton sang. Qu'est-ce qu'il me dit là? Une onction à Dieu sur elle. Alléluia, gloire à Dieu. La puissance de Dieu, mes amis, là, une onction à sur elle. Waouh! Waouh! C'est une guérison là, une libération au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu sauve. Mm-hmm. Dieu sauve, Dieu la sauve. Tu vois, circulation là, tout ça là, les douleurs là. Elle a parfois les douleurs dans tout son corps là, le Seigneur brise tout ça dans les choix. Tu vas lâcher maintenant. Tu vas sortir de cette chambre là. Tu vois, quelque chose de cette chambre là, ça sort là, le nom de Jésus Nazareth. Vous pensez que Dieu va la libérer là, mes amis? Oh, Dieu la libère, ça sort de les chambres. Allez, sortez! Allez, quittez là, le nom de Jésus Nazareth. Allez, sortez! Votre règne est fini. Au nom de Dieu l'aime. Dieu l'aime. C'est ce qu'il me dit de le dire. Le Père l'aime. Waouh. Tu vas avoir des enfants, je prie pour ça. Tu vas avoir une vie normale. Je prophétise cela. Je déclare cela. Au nom de Dieu. Que Dieu soit béni. On peut acclamer le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Sois béni. Des gens qui vont être complètement légères. On est parti quelque part, je vous dis, après une femme, il y a beaucoup de témoignages comme ça, des gens qui viennent malades, tout ça, là, Seigneur. Fini, restauré, guéri. Le repos, là, allez dans le repos. Waouh! L'image que j'ai là, c'est des langues que Dieu guérit, effectivement, comme les frères ont témoigné ici, là. Le Seigneur va vous pousser à parler, à parler, à parler, à parler. Vous voyez, comme l'image que j'ai là, c'est Noé devant l'arche. Je vois les animaux de toute espèce qui rentrent dans l'arche. Vous voyez? Et là, c'est vous. Ça sera que le Seigneur nous envoie ici. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir encore ici, mais en tout cas, ça va vraiment pas tout de suite là, tout bas, je ne sais pas. Mais je pense que beaucoup vont sonner le chauffard de plus en plus ici. On a dit, qui est chaud, oh, Dieu! Voici le soir de Dieu! Voici le soir de Dieu! Oh Dieu qui fait! Oh! Voici le soir de Dieu! Voici le soir! C'est dit que le soir de la paix vient! Le soir de Dieu, c'est le ministère pour la restaurer! Au nom de Dieu! Alléluia! La gloire de Dieu va te prendre!
Je te dis, ta couronne sera grande en maintenant Yeshua. L'ennemi voulait ta mort. Dieu te dit, je te ressuscite afin que mon nom soit connu encore au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. La puissance vient, viens, cours, cours, cours ici là. Cours, la cour, la cour, la cour, la cour, la cour. Il y a quelque chose ici là, quelque chose ici. Amène-moi les deux, amène-moi les deux, amène-moi les deux. Là. Il y a quelque chose ici là. Amène-moi, Audrey, tout ça, et de là aussi là. Oh, il y a quelque chose. Dieu restaure vos ministères. Dieu restaure vos ministères. Dieu restaure vos appels, vos ministères, tout ça. Valérie, tout ça, il y a quelque chose. De... Oh, il y a une onction ici là. Alléluia. Dieu appelle les prophètes de la Martinique. Tu appelles les prophètes ici là, les messagers. Mon frère, tu vas sonner le chauffard, tu vas sonner la trompette. Je t'établis comme une sentinelle, comme une Michée. Va et libère un peuple de Dieu, le Seigneur. Je vous ai établi, je vous ai quoi? Je vous ai appelé. Allez et libérez le message de l'État. Allez dire aux gens que Jésus revient. Allez dire aux Martiniquais, aux Martiniquaises que Jésus revient. On vous a empêché de parler, mais vous parlerez. Vous parlerez aux autorités, vous parlerez aux maires, vous parlerez aux autorités de la part du Seigneur. Vous parlerez aux pasteurs de la part du Seigneur. Tu vas écrire encore un livre, tu vas écrire encore un livre de la part du Seigneur. Les gens seront libérés. La jeunesse, je vois des jeunes soldats, des jeunes soldats guerriers, guerrières. Je vois ces jeunes gens. Il va y avoir un vent de Dieu dans les lycées, collèges ici là. Le feu de Dieu va arriver. La puissance de la résurrection. Pour les lieux. Personne ne peut vous empêcher de parler de la part du Seigneur. Personne ne peut vous. Le Seigneur dit, l'ennemi ne pourra pas te tuer. Il ne pourra pas t'atteindre. Pendant des années, les pasteurs vont empêcher de parler. Dieu dit, je te sors là afin que tu parles. Oh Jesus Christ, alléluia. Jeune fille, Dieu va t'amener au ciel. Dieu va te faire visiter le ciel. Tu as demandé au Seigneur de te montrer le paradis. Ma fille, je veux te montrer le paradis. Je veux te montrer le ciel. Ma fille, j'entends ta prière. J'exauce ta prière. Ce soir, je suis descendu pour te parler. Pour te dire que j'ai écouté ta parole, ta prière. Ma fille, je vais toucher ton père. Comme tu me l'as demandé, je veux le visiter, je veux le visiter. Le Seigneur dit, je te connais ma fille, je te connais. Je te connais. Je te connais. Pour les vies. Le Seigneur vous donne Jérémie 18. Le vase qui n'a pas réussi. Le Seigneur dit, un travail nouveau va arriver. Pendant quelques temps, le Seigneur va vous demander de rester seulement dans sa présence. Simplement. Et après ce temps de repos là, le Seigneur, pendant ce temps, il va restaurer, il va rétablir, afin que la vérité sorte totalement, entièrement, de ta langue, de vos bouches. Et ce n'est après, des couples seront touchés, des jeunes seront touchés, des gens seront guéris, des gens seront délivrés. La puissance de la résurrection va se manifester terriblement. Prépare-toi, 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 prépare-toi. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. La puissance de Dieu. Et on peut le guérir, le miracle va t'accompagner là. Amène-la-moi, amène-la-moi, amène-la-moi. Dieu va servir de toi pour prier pour les malades et ils seront guéris. Je te donne la force du buffle afin que tu témoignes de moi. Il va te donner des songes, des visions, des choses cachées dans la famille. Je te dis, je t'établis comme une sentinelle à ta famille. Sentinelle, 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 sentinelle. Voici le feu de Dieu, voici le feu de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu vas exhorter les femmes. Beaucoup de femmes seront touchées. Beaucoup de jeunes femmes. Je veux dire, je vais envoyer des filles qui ont été violées. Des filles qui ont été violées. Des femmes, des jeunes filles mères. Et tu vas parler de la part du Seigneur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Il y a quelqu'un ici qui fuit la paix de Dieu. À cause des problèmes, à cause des combats, tu es vite la paix du Seigneur. Que Dieu, tu parleras. Ne sois pas comme Jonas, tu parleras. Je veux dire, quelqu'un ici, toi tu pèches, je te vois. Sanctifie-toi, car mon appel est sur toi. Sanctifie-toi. Le Seigneur dit, j'ai vu des larmes, je vois des larmes, j'entends des cris de ton cœur. Le Seigneur dit qu'il va travailler au secours de ta famille. Le Seigneur dit que la lumière arrive dans ta famille, il va éclairer les gens dans les ténèbres. Il va briser les cœurs de pierre, il va les changer en cœur de chair. Le Seigneur dit, je te connais ma fille, je t'aime, et je te mène encore. Le Seigneur dit, le réveil arrive dans ta famille, tout ça, tu verras les conversions des jeunes gens dans ta famille. Les gens pour qui tu as pleuré, tu as prié. Le Seigneur dit, tu devras être guéri. Le Seigneur dit, fortifie-toi et tiens bon.
Je veux te donner ma bonté, ma bonté, ma bonté, ma bonté. Au nom de Yeshua, alléluia. Oh, alléluia. Et la puissance de Dieu. Amène-moi les deux. Oh, si bien, c'est au nom de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La nuée de Dieu. Le Seigneur console son peuple. Il y en a ici qui étaient fatigués. Tu n'en pouvais plus. Tu n'en pouvais plus. Tu n'en pouvais plus. Je te dis, c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Le temps de la restauration de la Martinique. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur te dit, mon fils, ce que je vais montrer, tu vas être par écrit. Tu vas écrire ce livre-là. Ce livre de témoignage. Tu vas écrire ma fille. Tu témoignes de ma gloire. Cette fille va beaucoup prophétiser. Beaucoup la cadrer. Il y a un appel très puissant sur sa vie. Ça veut dire que tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle comme Habakkuk tout ça là. Comme Habakkuk. Le Seigneur va te montrer des choses terribles sur les nations, sur des pays, sur des peuples, pour que tu intercèdes. Et quand tu vas intercéder, le Seigneur va te montrer, te donner des clés, tout ça là. Au nom de Dieu, je te vois envoyer des courriers aux gens par rapport aux messages que Dieu te donne. Il va vraiment te surprendre au nom de Dieu, au nom du Seigneur Sauveur. Quelqu'un prie pour son enfant qui est dans la drogue. Le Seigneur te dit, je délivre cet enfant. J'entends ta prière, je délivre cet enfant. Dieu sort ta fille. Dieu sort ton fils. Il sort la personne de la drogue. Au nom de soi même, là où la personne est trouble. Et délivrance, au nom de Yeshua. Cet esprit a quitté son corps. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ici, tu es en train de recevoir une délivrance. Tu as demandé la délivrance au Seigneur depuis des années. Le Seigneur te dit ce soir, je vous délivre. Je vois un ange qui vient avec une épée. Et tu brises cette chaîne, pas, voici pour la grâce du Seigneur, c'est démon s'en va. Sors, mon Dieu. Sors, sors, au nom de Jésus. Quitte-la. Si. Si. C'est une grosse bête. Une grosse bête. Il y a un autre démon qui est ici. Qui attrape quelqu'un au niveau de sa tête. Au niveau de sa tête. Ce démon est là. Au niveau de sa tête, tu le sens comme un fardeau, comme un poids. C'est pas possible. Cet esprit vole tes pensées, de ta voix, des pensées terribles. Cet esprit vole même des songes que tu reçois, des choses que tu reçois, ta tête, au niveau de ta tête, le Seigneur est en train de te rendre libre. Complètement libre, complètement libre. Le Seigneur donne ce passage. Si le Fils t'a franchi, tu seras véritablement libre. Là où tu es assise, là, tu vois comment Dieu t'aime, tu vois comment cette chose remonte, tu vois comment ta tête sort. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as été vaincu à la croix. Le Seigneur t'aime. Waouh, Seigneur, magnifique. Magnifique. Éloigné, qui est loin des hommes de ta vie, qui est loin des hommes de ta vie, là, cet esprit de zoo est en train, il est très en colère, cet esprit-là. Je veux que tu t'en ailles, je te donne un ordre précis, esprit de zoo, parmi la facilité des eaux, je ne veux pas t'entendre, je veux que je sorte. Je te donne un ordre précis. Tu as été vaincu par le Seigneur a triomphé de toi. Ton règne est fini ce soir, au nom de Yeshua. Le Seigneur te rend libre, pleinement libre, afin que tu le serves véritablement dans le nom de Yeshua. Oh Seigneur de gloire, Dieu du Seigneur. Alléluia. Vous allez bien ici là? Dieu est bon. Alors tu vas mieux? Viens le voir. Oh Seigneur, merci. Tu dors mieux? Oui? T'es sûr? Waouh! Seigneur. Le Seigneur l'a libéré la dernière fois. C'est sûr le temps que tu vas. Ouais. Tu avais quoi? Tu avais quoi? Pas besoin de moi. Amen.
Tu l'as vu en robe blanche, tout ça. Je sais que béni, je vois les enfants pour l'aide. Le Seigneur va servir le Seigneur, toi et ta famille, au nom de Dieu, le Seigneur le Sauveur. Job 22, 30. Après tes mains, le Seigneur va guérir les gens. N'importe quoi, tu vas avoir tout combat, toute la solution, mais tiens bon. Reste dans la sainteté. Seigneur, merci. Merci, Père. C'est réglé. Le Père veut le baptême ce soir. Ceux qui veulent le baptême, levez les mains. Ah Dieu, viens ma soeur, quelqu'un de toi le baptême ce soir. Venez, 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 venez. Alléluia, gloire à Dieu. Donnez votre main à Jésus, venez. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur, magnifique. Alléluia. Ouh Seigneur, regardez-moi comment Dieu travaille, mes amis. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alléluia. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh. Seigneur, merci pour cette jeune fille. Avec une ancienne chrétienne, et une fois qu'elle reçoit la table du Seigneur pour elle, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Cet esprit s'en va. Allez, tu sors, elle. Sors. Ça sort. Ça sort. Voyez, ça sort. Oh, Seigneur, merci. Maintenant, elle sera libre à son peuple. Elle a beaucoup pleuré aussi. Le Seigneur veut dire, vous êtes de Dieu. Dieu est ton père, ma fille, je te vois. Depuis les années, tu pleures. Et c'est pas facile, ta vie n'est pas facile. Tu te dis pourquoi moi, pourquoi ma famille, pourquoi nous. Le Seigneur veut dire, je sais, je te connais, je te vois. Et aujourd'hui, je te parle avec précision pour te dire que je te connais. Et le Seigneur ne va plus jamais, jamais te faire la confusion. Au nom de Yeshua. Et aujourd'hui, c'est la guérison divine, la délivrance réelle. Oh, Jesus Christ. Waouh. C'est le cœur du Père. Dieu guérit son cœur en profondeur. Et je vois le Seigneur qui écrit son nom dans le livre de vie. C'est magnifique, Seigneur. Magnifique, Père. Waouh, Seigneur. Waouh. Et le Père prend le poids de sa robe. Je vois le Père. Il la couvre comme ça et il la prend dans ses bras. Oh, Jésus, ça, c'est magnifique. Oh, Jésus. Oh, c'est beau ce que le Père fait. Et cette sœur qui est debout, le Seigneur me dit, c'est la révélation de l'époux, Dieu en tant que son époux. Et il me dit de te donner Ésaïe 54. Dieu est ton époux. Au nom de Dieu. Waouh. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Dieu la console. Tu enlèves toutes les souffrances qui étaient là, les mentions. Waouh, Seigneur, merci. Merci. Viens me voir. Viens me voir. T'as jamais été baptisé? T'as été baptisé ici, non? Où? Ok, pas de soucis. Oh, Dieu a vu. Dieu a vu. Je vois plusieurs petites blessures sur ton cœur, tout de ton cœur, là, tout ça. Et le Seigneur est en train d'enlever toutes ces épines, tout ça de ton cœur, il enlève, il enlève, il enlève. Ils ont des paroles de méchanceté, des paroles de condamnation, tout ça, des paroles, des gens qui sont durs, je vois quelqu'un qui est très dur avec toi, là, c'est tout. Oh, alléluia. Et le Seigneur vient, il dit ce soir, je te guéris, ma fille. Oh, Jesus Christ. Waouh, Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Non, Yeshua. Viens, viens. Je vois un ange qui vient et qui brise comme une espèce de, n'est-ce pas, de cercueil. Et le Seigneur le sort de là et avec la lumière toujours de toi, au nom de Yeshua, c'est une nouvelle vie, c'est une véritable délivrance, une véritable restauration de soi pour toi, une véritable libération, au nom de Yeshua. Et le Seigneur te dit, si tu demeures encore de la prière, la sanctification, le Seigneur te dit, tu vas te marier, tu vas servir le Seigneur avec ta famille, avec ta famille. Au nom de Yeshua, et lui, après, tu vas faire ça, et lui, quelque chose de fort sur elle, tu. C'est beau ce que Dieu fait. Bon. Alléluia. Quelqu'un est venu ici à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles ce soir, je veux que tu confirmes. Je n'en peux plus. Je te dis, j'ai entendu ta prière. Toi, tu dis, j'ai entendu, je t'ai vu. Mes yeux t'ont vu là, mes oreilles t'ont entendu. Et Dieu va te précéder. Il va te précéder au nom de Yeshua. Au nom du Seigneur, le Sauveur parle. Il va te précéder, il va te précéder. Tu vois ça là? Oh, 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 oh.
Quelqu'un a été invité. La personne a dit, si cet homme est un homme de Dieu, que Dieu me parle véritablement pour la confirmation, je te confirme, oui, mon enfant, oui. Il t'a envoyé ici là parce que tu dois prêcher le même message. Parce que tu vas prêcher la parole véritable. Tu seras persécuté, lapidé tout ça par les hommes. Mais je viens de dire, si tu restes fidèle, ta parole sera grande. Quelqu'un ici sort avec la femme, une femme qui n'est pas la sienne. Je veux dire, tu dois arrêter cette pratique-là. Je n'aime pas cette pratique-là. Le péché, je n'aime pas. Il faut qu'il mette de l'ordre dans ta vie. Au nom de Yeshua. Soyez fortifiés, bénis. Que vos ennemis soient dans l'échec. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu es baptisé, ma soeur? Tu es baptisé? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu vas beaucoup marcher. Je te vois galoper tout ça. Pour le Seigneur, partout, 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 au nom de Yeshua, le Seigneur, le Sauveur. Voilà, on a fini. Donc, on va dire ce soir. Nous sommes au-delà. On ne sait pas.